La une de la presse, cette semaine à Kinshasa. République démocratique du Congo, l'obligation de devenir une puissance, c'est l'éditorial du magazine des Congolais de Belgique. Comment expliquer que depuis un quart de siècle, le Rwanda du dictateur Paul Kagame pourrit la vie des habitants de la République démocratique du Congo, s'interroge l'éditorialiste Cheikh Fita. Pourtant, explique ce confrère, avec ses 2 345 000 km² de superficie, ses 100 millions d'habitants, ses mines, ses forêts, le Congo a tout d'une puissance. Mais depuis quand ce pays a-t-il cessé de croître et de renoncer à devenir une puissance, se demande encore l'éditorialiste. Pour lui, l'heure est venue pour que la République démocratique du Congo devienne une puissance respectable et respectée au cœur de l'Afrique. C'est un devoir. Kamanda ou à Kamanda Mouzebe, Kinshasa et RFI.